Bonjour, bienvenue à notre cours de français B2. Je suis 陈之瑜。大家好，欢迎大家来到我们欧标法语 B2 的课程。我是陈之瑜。今天我们要做的是综合听力训练第四讲。这堂课我们将要听到的听力材料主题是关于法国社会问题非法移民。在听力材料录音当中会涉及到较多的关于法院判决、裁判等专业词汇，所以在请各位同学听录音的时候，尤其要注意这些词汇的表达以及记录。好的，那么让我们按照惯例，在听录音之前，先请各位同学仔细阅读下面的四大题题目。阅读题目的同时，请各位同学注意，除了要了解题目需要我们回答什么的内容，另外还要请各位同学自己去区分哪一些题目我是在听第一遍录音之后完成的，哪一些题目我是需要听两遍之后才可以完成，需要做一个泛听和精听部分的区别。好，请各位同学先阅读题目。题目阅读完毕，接下来请我们一起听录音。Écoutez deux fois l'enregistrement et répondez aux questions. Sans papier. Romain Binazon, porte-parole de la Coordination nationale des sans-papiers, a été reconnu coupable mercredi de rébellion et de provocation à la rébellion et condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 700 euros dans 100 jours. S'il ne s'y pliait pas, il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison. Une peine de 60 jours amende à 25 euros avait été requise le 24 septembre dernier par le procureur. Romain Binazon avait été interpellé le 24 août à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Cotonou. Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passagers à s'opposer à la reconduite de deux ressortissants congolais. Il avait par ailleurs manifesté une vive opposition lors de son interpellation. À l'audience, Romain Binazon avait nié les faits, expliquant avoir demandé calmement aux policiers d'ôter les menottes des deux étrangers qui devaient être reconduits à la frontière. Une trentaine de sympathisants s'étaient rassemblés mercredi devant le tribunal, dans l'attente de la décision. Sans papier. Romain Binazon, porte-parole de la Coordination nationale des sans-papiers, a été reconnu coupable mercredi de rébellion et de provocation à la rébellion et condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 700 euros dans 100 jours. S'il ne s'y pliait pas, il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison. Une peine de 60 jours amende à 25 euros avait été requise le 24 septembre dernier par le procureur. Romain Binazon avait été interpellé le 24 août à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Cotonou. Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passagers à s'opposer à la reconduite de deux ressortissants congolais. Il avait par ailleurs manifesté une vive opposition lors de son interpellation. À l'audience, Romain Binazon avait nié les faits, expliquant avoir demandé calmement aux policiers d'ôter les menottes des deux étrangers qui devaient être reconduits à la frontière. Une trentaine de sympathisants s'étaient rassemblés mercredi devant le tribunal dans l'attente de la décision.两遍录音全部结束，相信各位同学的答题也应该完成了。那么接下来让我们一起来看一下听力材料的具体内容。
我相信在这一段的听力材料当中，各位同学答题情况应该会感觉相对比较难，因为其中包括较多的法院判决词汇，以及刑拘多少天数、多少欧元罚款的数字上的表达，以及某天某月在哪里被刑拘、被警察拘留，这也是各位同学在听录音的时候需要简单记录的内容。接下来就让我们一起分析一下录音材料的内容。这段听力材料的主题是 sans papier， papier 指的是证件的意思， sans papier 根据录音材料的具体内容，在这里可以指无居留证件的非法移民。 Romain Binazon porte-parole de la coordination nationale des sans papier。 在这一部分当中，我们听到了主要的信息。首先，这一段录音的主题人物是 Romain Binazon。那么接下来陈老师一直在说的跟着这样一个人名之后，请各位同学一定要注意，往往是介绍他的职业身份的内容。在这句话同样是这样， Romain Binazon porte-parole de， 他是一位发言人 porte-parole， 具体是什么组织的发言人呢？ de la coordination nationale des sans papiers， 全国非法移民协调委员会。在这里coordination 指的是协调的意思， national 全国的，那么在这里顾名思义主要指的还是 française 法国的协调委员会。 a été reconnu coupable mercredi de rébellion et provocation à la rébellion et condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny。 这句话的意思是他在周三被博比尼轻罪法庭认定犯有造反、煽动造反罪，并判处100天监禁，折合罚金每天7欧元。这句话当中 a été reconnu coupable， être reconnu coupable， 这是 reconnaître quelqu'un coupable 的被动形式。在这个句子当中， coupable 是直接宾语 quelqu'un 的表语，这个词组的意思是被认定有罪，coupable 有罪的， reconnaître 认定，罪名为 rébellion et provocation à la rébellion， 造反和煽动造反罪。 condamné à 同样是被动态， être condamné à une peine de 100 jours， condamné quelqu'un à 加上刑罚是一个固定的句型，表示判处某人什么样的徒刑。在这句话当中同样用的是被动态，他被判处100天的监禁。 amende à 7 euros 指的就是折合罚金每天7欧元。 par le tribunal correctionnel de Bobigny， le tribunal correctionnel 指的是轻罪法庭的意思。这一句话将 Romain Binazon 的身份做了一个介绍，然后以及他的罪行和他的处罚都给各位同学简单提到了，所以在这一部分当中是课文一开始的主要内容。接下来下面一句， Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 600 euros dans 100 jours。 根据这一判决， Romain Binazon 必须在100天内付清总额为700欧元的罚款。 Cette peine 这一刑罚 oblige quelqu'un à faire， 必须要求某人做某事。Sacquitter 指的是付清、缴纳的意思。La somme de 总额 600 euros 700欧元 dans 100 jours 100天之内。这一句话也就是带到了前面一句。Une peine de 100 jours amende à 7 euros 指的是100天监禁，折合成也就是每天付7欧元的罚金，那么100天总金额将是700欧元。这一部分希望各位同学对于处罚的判决有一定的了解。 S'il ne s'y pliait pas, il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison。 这一句话是条件式的现在时，表示对可能发生情况的一种假设。在这句话当中 S'il ne s'y pliait pas, 如果他不服从的话， se plier à 服从、屈服的意思，如果他不服从，如果他反抗抗拒的话， il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison， 他将在狱中服刑50天。在这句话里面 être contraint 被迫、不得不， effectuer 50 jours de prison 50天的服刑，
effectuer 执行的意思。所以只要他抗拒不服从100天内付清700欧元的罚款的话，他将会被强行在狱中服刑50天。Une peine de 60 jours amende à 25 euros avait été requise le 24 septembre dernier par le procureur. 这句话的意思是，早在去年9月24日，检察官就曾要求判处罗曼·比纳松60天的监禁，折合罚金每天25欧元。相同的句型，相同的表达 ,une peine de 60 jours, 60天25欧元。être requise 依法判刑，在这里当然是一个被动态，被要求判是这样的意思。Le 24 septembre dernier 指的就是去年9月24日 par le procureur 检察官。Romain Pinazon avait été interpellé le 24 août à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France.À destination de Cotonou. 罗曼·比纳松于8月24日在戴高乐机场被盘问，当时他正在一架飞往科托努的法航班机上。 être interpellé 指的是被质询、被盘问。 Le 24 août 请大家注意了，这里是8月24日，在我们听力当中比较容易产生混淆的就是和前面一句话的内容。Le 24 septembre dernier, 去年的9月24日,同样是24日,但是月份是不同的,在这里是8月24日。À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 是在戴高乐华西机场。Alors que, 指的是 au moment où 的意思,当时在什么样的时候。Il se trouvait, 正好处在 à bord de, 请各位同学注意,指的是在车、船或者是飞机上。那么在这句话里面 ,à bord d'un avion, 在飞机上 ,de la compagnie Air France, 法航 ,à destination de Cotonou, 是飞往科托努的航班飞机上。Cotonou 是贝南贝宁的一座城市。Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passages à s'opposer à la reconduite de deux ressortissants congolais. 这位非法移民的发言人鼓动乘客反对遣送两名刚果侨民。Le porte-parole des sans-papiers 指的就是非法移民的发言人。这一位发言人，那么指的就是 Romain Pinazon。Avait incité, 他鼓动 incité quelqu'un à faire, 鼓动某人做某事。Des passagers, passagers 指的就是乘客，飞机上的那些乘客。À supposer à, 反对。La reconduite 指的是遣送的意思。Ressortissant 我们指侨民。Congolais 刚果的。Deux ressortissants congolais 两名刚果侨民。Il avait par ailleurs manifesté une vive opposition lors de son interpellation. 此外，他在被质询、被盘问时也表现出强烈的对抗情绪。Il avait par ailleurs 指的是此外的意思。Il avait manifesté 是表现出 une vive opposition 强烈的反抗情绪。Vive 强烈的。Lors de 指的是在什么时候？当他在被拘捕的时候。Lors de son interpellation。Interpellation 是 interpellé 的名词结构。À l'audience。Romain Pinazon avait nié les faits, expliquant avoir demandé calmement aux policiers d'ôter les menottes des deux étrangers qui devaient être reconduits à la frontière. Romain Pinazon 在法庭上拒绝承认上述事实，并解释说，他只是平静地要求警察去掉两位被遣送的外国人的手铐。À l'audience 指的是在法庭上，在庭讯时 ，Romain Pinazon avait nié les faits, nié 否认 ，les faits 法律行为，有意的犯罪行为。Expliquant 他是这样解释到的，这里是现在分词。Expliquant avoir demandé calmement 是非常平静的要求，要求谁呢 ？Demander aux policiers 要求警察。
d'ôter les menottes, 去掉手铐。ôter 去除 menottes 手铐的意思。Des deux étrangers, 两名外国人 qui devaient être reconduits, 被动态应该被要遣送 à la frontière, 指的就是遣返出境。Une trentaine de sympathisants s'étaient rassemblés mercredi devant le tribunal dans l'attente de la décision. 30多名罗曼皮纳松的同情者周三聚集在法庭前面等待对他的判决。Une trentaine de 30多名 sympathisants 同情者 s'étaient rassemblés 聚集 mercredi 周三 devant le tribunal 在法院前 dans l'attente de la décision 等待法院的判决。好的，这是整篇听力材料的讲解。在这一篇听力材料当中，大家可以发现对于数字还是要求比较高的，尤其是处于多少天的监禁，多少罚金，在多少天内支付，以及几月几号被拘捕，还有是多少名非法移民几日被遣送回国，还有最后多少名同情者聚集在法院前等待判决，这些都是对于数字的一个测试和练习。所以各位同学在听这一段录音的时候，需要做的笔记是关于这些内容的，因为这些内容在我们的先前阅读题目的时候就已经体现出来了。我们的题目当中有一部分是需要对这一部分信息做一个记录的。好，那么接下来让我们具体看题目。第一题 Choisissez la signification qui convient le mieux au texte. 选出最符合课文内容的意思。第一题 Porte-parole, 发言人是什么意思？这一题应该选 C. Personne qui parle au nom de quelqu'un d'autre. Porte-parole, 首先它是一个人， c'est une personne. 这个人parler, 他说话以谁的名义代表谁来说呢？ au nom de 代表 quelqu'un d'autre, 其他的人，所以我们应该选择的是 C. 我们看一下其他三个选项。A, personne qui porte un haut-parleur, 带着高音喇叭的人。B, personne qui manipule le magnétophone, 使用磁带录音机的人。D, personne qui parle pour défendre quelqu'un d'autre.为其他人辩护的人，因此最符合题意的我们应该选择的是 C 这一题 Personne qui parle au nom de quelqu'un d'autre. 第二题 Ressortissant 什么是 Ressortissant 侨民的意思？首先这一题还考验大家对于这个单词的熟知度，当然根据课文当中我们听到这个单词的表达是Deux ressortissants congolais, 两名刚果的侨民。我们还有听到对于这两个人的描述是在后面这样一部分内容当中。Deux étrangers, 两名外国人，所以表示首先他们是外国身份。Qui devaient être reconduits à la frontière, 需要被遣送的外国人。那么在这里 ,ressortissants, 各位同学根据题意我们来看一下四个选项，应该选择的是 C。Personne d'une nationalité quelconque, 拥有任意国籍的人 ,quelconque 是任意的，随便哪一个的。那么在这里 ,C 是最符合题意的。其他三个选项 ,A, personne qui sort de nouveau, 又一次离开的人 ,B, personne qui crée la distinction, 与众不同的人 ,D, personne d'un groupe social quelconque, 属于任意社会团体的人，因此最符合题意的应该选择的是 C 这一个选项。Ensuite, 接下来让我们看一下第二题。Dites vrai ou faux, 请各位判断正确与否。正确选择 vrai, 错误选择 faux。第一题 Romain Binazon est le porte-parole de la coordination des sans-papiers congolais. 罗曼·比纳松是刚果非法移民协调委员会发言人，这道题应该是 for 错误的。错误在于公国雷，他不是刚果的非法移民协调委员会，
它是在第一句话当中我们有所表述。Porte-parole de la coordination nationale des sans-papiers. 全国在这里 nationale 指的是 française, 法国非法移民协调委员会。另外它受审的法庭也是 le tribunal de correction de Bobigny, 法国博比尼市的轻罪法庭。公国雷在段落当中我们听到的是用来修饰两名被遣送回国的侨民是 deux ressortissants congolais, 所以请大家要注意这个国际形容词的表达。第二题 Il a été condamné à 100 jours de prison qui peuvent être convertis en 600 euros d'amende. 他被罚以100天的监禁，同样100天监禁可以折合700欧元罚金。这句话是正确的 c'est vrai。我们在课文当中有听到上下这样两句话 Condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny 被罚以100天监禁折合每天7欧元 Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 600 euros dans 100 jours 这个判决要求他在100天内付清总金额为700欧元的罚金。所以根据这样的上下两句话，我们可以判断这一题是正确的。第三题 S'il a été condamné à cette peine, c'est qu'il s'était opposé à la reconduite de deux Congolais à la frontière le 24 septembre dernier. 他被判处这一个判决，正是因为他在去年的9月24日反对两名刚果侨民被遣送回国。这一题是错误的 C4, 因为错在时间 Le 24 septembre dernier, 正确的时间应该是 Le 24 août, 8月24日而不是去年的9月24日这个日子，所以请各位同学注意日期上的记录表达，因此这一题是 4, 错误的。第四题 Romain Binazon a reconnu tous les faits devant le tribunal. 罗曼·比纳松在法庭上承认所有的事实。这一题是错误的 C4, 因为根据听力材料当中这样一句话可以判断 À l'audience, Romain Binazon avait nié les faits. 在法庭上罗曼·比纳松否认事实 Nié les faits, 否认，因此和这一句话是相反意义的，他没有 reconnaître 承认，所以这一题是错误的 C4。 第五题 Pendant l'audience, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le tribunal en signe du soutien de Romain Binazon. 在庭审之时有30多个人聚集在法庭前以表示对罗曼·比纳松的支持。这一题是正确的 ,C7, 因为从课文当中的最后录音当中我们听到 Une trentaine de sympathisants, sympathisants 指的是同情者，同情罗曼·比纳松的人。C'était rassemblé mercredi devant le tribunal dans l'attente de la décision. 他们聚集在法院前等待着法院的判决。在这里其实言下之意就是 en signe du soutien,以表示支持这样的意思，所以这一题应该是正确的 7. 这是第二大题 vrai ou faux 正确与否的判断。接下来我们看一下第三题 Choisissez la phrase correcte 选出正确的答案。第一题 Romain Binazon a été condamné par le tribunal correctionnel de 罗曼·比纳松是被哪一个轻罪法庭判罪？我们在课文当中听到的是这样一句话 Condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny. 所以这一题我们应该选择的是 Bobigny. 像这样的选择题，事实上我们第一遍录音的时候就可以将其正确选出。第二题 Il a été condamné à 他被判处多少的刑期，多少罚金呢？同样是陈老师刚刚读的这一句话当中可以找到信息。
我们应该选择的是 B 这个选项。首先是 100 jours de prison， 100天的监禁，或者可以折合欧元，折合成罚金来提交。五 7 euros d'amende par jour， 7欧元每天的罚金数。所以这一题选择的是 B。 当然有同学可能会混淆 D 这样一个选项， 60 jours de prison ou 25 euros d'amende par jour， 60天的监禁，或者是每天25欧元的罚金。这句话我们在录音当中确实也有听到，我们听到的是 une peine de 60 jours d'amende à 25 eurosavait été requise le 24 septembre dernier par le procureur， 而日期则是去年的9月24日，当时是检察官要求判处罗曼·皮纳松60天的监禁，折合罚金每天25欧元，而这一次是真正被判处了100天的监禁，折合罚金每天7欧元。第三题，Il doit payer cette somme d'amende dans un délai de 100 jours. 应该选择的是100天 de 这个选项。因为我们从课文当中的这样一句话可以体现出来。Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 600 euros dans 100 jours. 100天，所以我们应该选择的是 de。大家可以发现，前面三题考的内容都在录音材料的前两句话当中，所以陈老师在讲解听力材料的时候，尤其告诉大家要注意先前的主要内容。第四题， Il a été arrêté par la police lorsqu'il était dans un avion à destination。 当他被警察逮捕的时候，当时他正在一架飞往哪里的飞机上呢？在讲解课文的时候，陈老师刚刚有给各位同学提到，课文里面提到的是 à destination de Cotonou， 科托努是贝南贝宁的一个城市，所以这一班飞机是飞往贝宁的，因此应该选择的是 C， à destination du Bénin。 第五题， Il a été arrêté parce qu'il avait，他因为什么而被逮捕呢？应该选择的是 C。 Ainsi de les passagers à s'opposer à la reconduite des sans-papiers par la police。 他因为鼓动乘客反对将非法移民遣送回国而被逮捕。所以根据课文当中我们也有听到类似的内容， Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passagers à s'opposer à la reconduite de deux ressortissants congolais。 这位非法移民的发言人鼓动乘客反对将两名刚果侨民遣送回国。根据这句话，我们应该选择的是 C 这样一个选项。好，这是五道选择题。最后让我们一起来看一下两道问答题。第四题， Répondez aux questions。 第一，谁是罗曼·比纳松？我相信这一题的难度并不在于各位同学不知道他是谁，而是不知道如何来表达他是谁。因为在我们 B2 级别的测试当中，最主要的难点在于各位同学需要组织自己的语言来回答问题，所以这对于各位同学的法语也是有一定要求的。那么根据课文的内容，首先整篇课文我们听到的人名都是霍曼·比南松，所以这个名字对于各位同学来说是不陌生的。其次，从课文当中有好几次出现他的身份的表达，例如第一句话就听到霍曼·比南松 porte-parole de la coordination nationale des sans-papiers， 这一位罗曼·比纳松是全国非法移民协调委员会的发言人，所以 porte-parole 这个词我们是第一次可以听到的。其次，在课文当中还有出现 Le porte-parole des sans-papiers avait décidé des passagers à s'opposer 等等后面内容，我们听到的是这一位非法移民的发言人指的谁？指的就是 Romain Binazon。 所以两次我们都有听到 porte-parole 这样一个词汇，所以
我们可以做出这样的一个回答。Il est porte-parole de la coordination nationale des sans-papiers. 当然，如果同学没有办法写全的话，我们还可以根据先前所出现的题目当中给大家所提示的内容。例如，我们在题目的一开始，第一题就要求大家选出 porte-parole 这个词的同义词，所以也是给各位同学提醒这个单词什么意思，怎么来拼写。好，这是第一题的答案。第二题 Où Romain Binazon avait-il été arrêté le 24 août? 8月24日罗曼比纳松是在哪里被拘捕的？在听力当中，我们有听到这样一句话 Romain Binazon avait été interpellé le 24 août à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Cotonou. 所以根据这一句话，我们可以总结这样的回答。8月24日，罗曼比纳松是在 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle。首先，大的地点是在戴高乐华西机场。具体地点，他当时正在 à bord de navion。是在一架飞机上面，那么这架飞机的具体情况，大家可以根据自己的实力来回答。De la compagnie Air France à destination de Cotonou， 是在飞往科托努的航班飞机上，这个航班是法航的航班。好的，整个的所有题目都给各位同学讲解完毕了。其实大家发现，更多的还是基于各位同学在精听的能力上对于课文整体的把握，特别对于容易混淆的内容，各位同学在听录音的时候一定要仔细辨明。那么这一部分怎么来提醒各位同学在先前听之前就要注重这部分内容呢？主要还是从阅读题目开始。例如我们选择题的第二题当中 Il a été condamné à 他被判处多少天的刑期，多少罚金，我们可以看到 A、B、C、D 这样四个选项，那么各位同学就要引起注意了，说明这样两大类的选题，100天7欧元的每天罚金和60天以及25欧元的每天罚金都是在课文当中会出现的内容，那么各位同学要做一个仔细的辨别。好，那么这是陈老师特别提醒大家在做听力时候需要注意的内容。那么今天的课就讲到这里，老师还是建议各位同学在所有的听力材料和题目讲解完之后，再仔细静下心来听一下录音，让我们更好的、更全面的理解课文的内容。Sans papier. Romain Binazon, porte-parole de la Coordination nationale des sans-papiers, a été reconnu coupable mercredi de rébellion et provocation à la rébellion.Est condamné à une peine de 100 jours amende à 7 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 700 euros dans 100 jours. S'il ne s'y pliait pas, il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison. Une peine de 60 jours amende à 25 euros avait été requise le 24 septembre dernier par le procureur. Romain Binazon avait été interpellé le 24 août.À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Cotonou. Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passagers à s'opposer à la reconduite de deux ressortissants congolais. Il avait par ailleurs manifesté une vive opposition lors de son interpellation. À l'audience, Romain Binazon avait nié les faits, expliquant avoir demandé calmement aux policiers d'ôter les menottes des deux étrangers.Qui devait être reconduit à la frontière. Une trentaine de sympathisants s'étaient rassemblés mercredi devant le tribunal dans l'attente de la décision. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.
今天的课就给各位上到这里。Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.